Bonjour, agent Wilmore. Bonjour, agent Cook. C'était pas le jour d'arriver en retard. Il y a un des patrons qui débarque. Je ne suis pas au courant, mais ça a l'air sérieux. Il doit venir vérifier qu'on ne détourne pas des trombones. Allez-vous prendre un deuxième café et passez me voir. Sur quoi vous travaillez ? Un réseau de faux monnayeurs et une milice armée en train de sévir du côté des cascades. Et un dossier DEA sur un labo clandestin. Ça baigne, c'est de la routine. Qui est le gros bonnet de Washington? Je crois qu'il s'appelle Skinner. Il a le grade de directeur adjoint. Et Shanks? Il était de bon poil? Oh, il m'a dit bonjour. C'est jamais bon signe. J'ai reçu une lettre de Barbara. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Dommage. Désolé. Faut changer d'air, c'est tout. Entrez. Voici le directeur adjoint Skinner. Agent Wilmore. Monsieur le directeur. Deux de mes agents ont disparu, Fox Mulder et Dana Scully. Je suis sans nouvelles d'eux depuis 3 jours. Je suis extrêmement inquiet. Votre dernière rencontre? Dans mon bureau de Washington, juste avant leur départ. Les numéros de leur portable? Vous les trouverez dans le dossier, ils ne répondent plus, évidemment. Ils ont déjà disparu autrefois? Pas de cette façon. Ils n'ont pas eu d'aventure ensemble? Je n'en sais rien, ça m'étonnerait. Sur quelle affaire travaillaient-ils? Je manque de précision. Je sais seulement que leur fiche de déplacement mentionne la ville d'Everett, dans l'état de Washington. Les deux agents en question bénéficiaient d'une grande souplesse dans leur autonomie. À cause du caractère particulier de leur mission. Il n'y a pas de liaison entre eux actuellement. Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Je ne pense pas. Il ne s'est rien passé de particulier, Everett? Rien qui ait attiré mon attention. Que dois-je faire de mes dossiers en cours? Transmettez-les à Cook. Je sais qu'il est débordé, mais ceci est prioritaire. Il faut que vous alliez visiter ces locaux. Partez sur la piste de Mulder et Scully et donnez vos dossiers en cours à votre collègue Cook. Skinner ne tardera pas à vous recontacter. Alors, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a aucune raison de le cacher. Allez, dites-moi ce qui se passe. Quoi de neuf? On a perdu de vue 2 agents spéciaux. Ils bossaient au QG, Mulder et Scully, un homme et une femme. Disparus depuis 3 jours. Je voudrais un avis de recherche sur Mulder et Scully. Génial. Merci, Golden Boy. Pourquoi ces agents nous ont-ils prévenus de leur venue ici? Bonne question. Parce qu'ils travaillaient à Everett? J'en sais rien. Everett, ça me dit quelque chose, ce nom. Je ne les ai jamais vus. En quoi est-ce que je peux vous aider, monsieur? À bleu, il y a vert après, il y a jaune, je veux toutes les couleurs. Oh, merci. Merci, je n'avais pas de monnaie. Pourquoi se sont-ils installés à Everett et non à Seattle? Pas la moindre idée. À moins que ce soit pour des raisons financières. J'espère qu'on ne trouvera pas de mauvaises surprises dans leur chambre. Ils m'ont déjà surpris autrefois, mais je comprends ce que vous dites. Ils n'avaient pas d'ennemis, n'est-ce pas? Tout le monde a des ennemis, agent Wilmore. Pourquoi n'ont-ils pas contacté notre bureau quand ils ont commencé leur enquête? Ça, si je savais répondre à cette question, je serais plus avancé. Vous auriez peut-être une pièce d'identité sur vous. Agent Wilmore, veuillez montrer votre badge à cette jeune fille. Et il s'appelle comment? Les agents Mulder et Scully. Oh oui, ils ont payé 1 semaine d'avance, chambre 3 et 4. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre en eux? Lui marchait comme un zombie, à part ça, rien d'autre. Rien d'étrange ne s'est passé en leur présence? Non, rien ne m'a frappé. Vous avez l'immatriculation de la voiture qu'ils ont louée? Oui, sur le registre. Bien sûr, je n'ai pas été vérifié. Veuillez me la noter, s'il vous plaît. Vous êtes étudiante? Je prépare une licence de droit. Peut-on voir leur chambre, s'il vous plaît?
Bien sûr, suivez-moi. Voilà, ça c'était sa chambre à lui, elle était dans l'autre. Merci. J'espère qu'on ne va pas trouver de cadavre. J'ai mon examen la semaine prochaine. Vous êtes libre de tout visiter. C'est eux qui vous ont demandé de ne pas fermer à clé. Pourquoi? Ce n'était pas fermé? Ils ne m'ont rien dit. Merci. On vous appellera si on a besoin d'autre chose. Vous savez où me trouver? Commencez par la chambre de Mulder, je fais celle de Scully. Vous les connaissiez depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. En fait, Mulder, je le connaissais déjà avant. Lui, ça fait 6 ans. Connaissez-vous le mot de passe de Scully? Aucune idée. Essayez foi. Foi ne marche pas. Une autre tentative? Essayez... Non, je regrette, je ne vois rien d'autre. Pourquoi ne pas demander à la division informatique de la police de Seattle s'ils peuvent le forcer? Je ne vois rien ici qui sorte de l'ordinaire. Mais ça ne signifie pas que c'est bon signe. On contrôle les coups de fil qu'ils ont passés? C'est une idée, la réceptionniste doit avoir la liste. Il faudrait qu'on sache sur quelle affaire ils travaillaient. Oui, ça pourrait nous servir. Écoutez, j'aimerais que nous évitions de parler d'eux au passé. Je vous en prie, ne faites pas ça. Vous savez combien de personnes m'ont déjà fait ça ici? Non. Vous n'êtes pas le premier. Il ne vous revient aucun souvenir qui m'aiderait? Non, écoutez, je regrette. Je crois qu'ils ont dû ressortir très vite. Ensuite, je ne les ai pas revus. Allons, rendez-moi ça! Ce livre doit rester à sa place. L'agent Mulder a des lectures intéressantes, je vois. Notez-vous tous les appels vers l'extérieur? Oui, pour faire ma facture. Pourrais-je avoir le relevé? Oui, laissez-moi une minute. Mon travail n'avance pas pendant tout ce temps. Désolé, je ne le fais pas exprès. Vous êtes drôle. Oh, yes. Agent Wilmore, FBI, qui êtes-vous? L'ai demandé en premier. Écoute, laisse-moi te rappeler qu'en tant qu'agent du FBI... Ah oui, d'accord. C'est dès le début qu'il fallait me le dire. Ce qui m'aiderait, c'est de connaître le contexte de l'enquête menée par vos agents. Bien sûr. Je vous donnerai ce que je possède. Devriez être un peu plus discret. Allez voir l'autre niveau pendant que je vais regarder ici. J'ai trouvé du sang. Quelqu'un a été touché.
pourquoi Mulder et Scully seraient forcément venus ici. Il n'est pas sûr, mais tout m'incite à le croire. On a retrouvé la balle. Il n'y a peut-être eu qu'une blessure légère. S'ils ont été tués, que sont devenus les corps? Je doute que le tueur ait abandonné les corps, sachant qu'on risque de les retrouver. S'ils sont morts, on les a fait disparaître. Espérons que ce n'est pas le cas. Plus on laissera le temps s'écouler. Avec un test d'ADN, on sera fixé. Je ferai un prélèvement que j'enverrai au labo central de Washington pour qu'il l'analyse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien du tout, mais je vous conseille de ne pas trop y toucher jusqu'à ce qu'on l'ait fait analyser. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une marque très répandue. Il y a un vieux pêcheur par là-bas. On va l'interroger. Je crois que c'est une bonne idée, il a peut-être vu une chose importante. Agent Wilmore, FBI, j'ai quelques questions à vous poser. Votre nom? James Wong. Ces entrepôts, que pourriez-vous m'en dire? Rien de spécial. Ce sont des magasins. Quand je viens là, je reste à quai. Il y a un tas de cargaisons qui vont et viennent sur ces docks. Il y a parfois des hommes armés. Ces temps-ci, ça bouge plus beaucoup, mais ça m'étonne pas étant donné ce qui se passe dans les environs. Il se passe quoi ces temps-ci? Les réserves de pêche s'épuisent. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Pas vraiment, à part le fait que les magasins sont plus déserts que d'habitude. La semaine dernière, vous êtes venu? Plusieurs fois. Et vous n'avez rien vu ni entendu d'inhabituel? J'essaie de rentrer chez moi assez tôt pour voir ma famille. Parlez-moi de votre famille. Pourquoi? Simple curiosité, j'aimerais connaître votre famille. Ok. Une femme et une fille. Quel âge a votre fille? 7 ans. C'est jeune pour quelqu'un de votre âge, ça m'étonne. Je mange que du poisson. Votre femme est plus jeune que vous? Assez jeune pour avoir une fille de 7 ans. Vous êtes dans ce pays depuis combien de temps? C'est mon accent qui me trahit. 10 ou 11 ans, je sais plus bien. D'où venez-vous, monsieur Wong? De Chine. Je suis parti de Canton en 85. Vous avez une idée sur le sang trouvé dans cet entrepôt? Non, un accident du travail, peut-être, j'en sais rien. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est à moi de poser les questions. Vous m'offrez une cigarette? Désolé, je ne fume pas. Ça donne le cancer. Vous ne lisez pas les journaux? Quel est le problème de la pêche? J'en sais rien, mais ça va très mal. Des gens pensent que c'est parce qu'on a trop pêché. Ça dure depuis longtemps? Assez pour avoir découragé plein de monde. Les types s'en sortent pas. Et moi-même, je me pose des questions. On est suivi par cette voiture depuis qu'on a quitté le bureau. Qui est-ce, à votre avis? Quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait. On fait quoi avec cette voiture? Ça vous concerne, agent Wilmore? Je reverrai mes notes dans la salle de réunion. Pourquoi avons-nous été suivis? Je n'en sais rien, mais ceux qui sont mêlés à cette affaire ne craignent pas le FBI. Il y a peut-être un lien avec le milieu. Est-ce que le sang appartient à l'un de vos agents? On ne doit pas l'exclure. Mais j'attends les résultats du labo pour savoir à quoi m'en tenir. Je vous suggère d'en faire autant, agent Wilmore. Vous avez une idée pour la poudre noire? J'en ai aucune, mais il s'agit effectivement de contrebande, ce qui expliquerait pourquoi Mulder et Scully ont disparu. On peut faire analyser l'ADN de la salive sur la cigarette? C'est trop hasardeux, agent Wilmore, on n'a pas le temps. Il y a une relation avec la pénurie de poissons? A priori, je n'en vois aucune. Revenir bredouille n'est pas un crime. Vous pensez que Wong est impliqué? J'en sais rien, vous avez senti qu'il en disait moins qu'il en savait? Il nous cache quelque chose, je n'en doute pas. Directeur Skinner, on vous appelle sur la ligne 1. Ici Skinner. Je comprends. Je dois partir pour Washington immédiatement. Je vais apporter au labo des échantillons de sang pour les faire analyser. Je veux que vous fassiez surveiller cet entrepôt dès ce soir. Ces deux agents sont très importants pour moi. Je crois que j'ai besoin de votre aide. Ok, je peux consulter vos notes? Il est nécessaire de fournir un indice au labo, si vous voulez avancer.
Si vous désirez que ce portable fonctionne, dites à la division informatique d'envoyer quelqu'un pour y jeter un coup d'œil. J'ai demandé qu'on ouvre une enquête sur Wong. Voyons. Il est nécessaire de soumettre votre indice au laboratoire judiciaire. Le reste me semble très correct. Comment ça va, votre service? Je parie que vous léchez les bottes de Skinner et sans retenue. Faut pas croire que je lècherai les vôtres pour autant, mon vieux. Oh, très bien. Comment est Skinner? Il est plutôt radin. Bon, je suis persuadé qu'il a dû vous parler de ses disparus. Je crois que ça vaut peut-être mieux. Oh, c'est dommage. Quel est le problème? Hélas, on a très peu d'indices sur ce qui a pu arriver ici. Ça, c'est un problème. Racontez-moi. Je n'ai pas toutes les informations, il manque des éléments. Alors retournez voir les lieux. Non, sur le terrain, on a fait un bon travail. Ce n'est pas ça qui cloche. C'est quoi alors? Un élément caché, une chose que je ne peux pas voir. Est-ce que Skinner est impliqué? Ça, je n'en sais rien. On a trouvé du sang dans un lieu où ils sont allés. Je crains que ce soit mauvais signe. Vous connaissez la musique? Il faut attendre les tests pour commencer à tirer des conclusions. Ouais, je sais que vous avez raison. Il n'y a aucun cas de figure qui puisse servir de base. Et puis travailler sous les ordres de Skinner, je ne serais pas très à l'aise à votre place. Oui, ça peut compter aussi. Impossible d'y voir très clair. Vous avez dormi? Pas suffisamment. Ce n'est pas bon. Il faudrait voir un médecin. Ouais. Barbara m'a écrit une lettre qui m'a accablé. Je comprends. Désolé. Merci. Il est urgent que je me ressaisisse. Il y a des vies en danger, tout ce qui doit compter, c'est finir ce travail. Écoutez. En cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter, hein? Merci bien. Demandez à la division informatique s'ils peuvent jeter un œil sur ce portable. Je m'en charge. Je vous remercie. Dès que je saurai, je vous appellerai. Vous pourriez vous renseigner sur un certain James Wong? Pas de problème. Je vous communique les résultats. Ah, Monsieur Wilmore. Content de vous voir. Ça faisait longtemps. Alors, John, ça va bien? Je m'ennuie. J'espère que vous m'apportez de quoi me distraire. Je vais faire de mon mieux. Alors, qu'est-ce que ce sera? Le boulot est intéressant ces temps-ci? Non, c'est même fastidieux. Souhaitons que le FBI continue de pimenter mon existence. Ça va, votre femme? Ex-femme. Ça va, oui, elle donnera les gosses à sa mère pour les vacances. Et vous? Ma femme? Non, vos ex-gosses. Mais oui, votre femme. Ça doit aller. En fait, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. C'est du sens, machin. Félicitations. À quoi je dois comparer ça? Je saurais trouver son groupe, mais si vous n'avez pas d'échantillon d'ADN, je ne peux rien dire d'autre. Ça concerne quoi? La disparition de deux de nos agents. Ce sang peut provenir de l'un d'entre eux. Ça, l'histoire. C'est au labo central de Washington que vous devriez aller demander. Ils ont en main la banque de données sur tous les agents. Ils vous répondront tout de suite. Voyons voir. Une question pour débutants, ça. Je peux vous dire ce que c'est. Il s'agit de plomb industriel. Du plomb? Ouais. À quoi il sert? Ça, j'en sais rien. Le plomb sert à un tas de choses. Lester des semelles de scaphandre, isoler des rayons X. Une camelote très banale, en fait. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire entrer en contrebande? Non. Ça n'a rien d'illégal, ni de sexy. Je ne vois absolument pas pourquoi quelqu'un importerait ça en fraude. Non, merci, j'essaie d'arrêter. Elle est drôle, celle-là. Merci. Ce mégot est celui d'une morlaie. J'examinerai ça de plus près. Et voilà, enfin, il y a un indice précieux. J'ai eu peur d'hériter de vos ordures ménagères à la fin. Un projectile, sans doute du 906. Il n'est pas en très grande forme. Extraction difficile. Oui, je l'ai sorti d'un morceau de bois. C'est OK. Vous me deviez pas $1? Pourquoi ça, pour le match de l'autre fois? Je marche pas, je sais que votre collègue a triché. Cook? Oh, c'est pas le genre, je le connais très bien. Ne le défendez pas trop, ce mec. Tous mes collègues du labo le portent pas tellement dans leur cœur.
Salut Greg, c'est Barbara. J'appelle juste pour voir comment ça va. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Nous sommes chez maman. Oh, à propos, elle te dit bonjour. Bon, joyeuse Pâques, je t'embrasse. On pense bien à toi. Au revoir. Oh tiens, Elisabeth veut te parler. Bonjour papa, gros bisous. Joyeuse Pâques, au revoir. Sois bien prudent, d'accord. Salut. Oh. Oh. Est-ce que vous avez le numéro du bus? Ça va aller? Il faudra bien. Oh. Je vais survivre, malheureusement. Du moins jusqu'à ce que je rencontre Shanks. Oh. Ah. Faut aller voir si rien n'a disparu. J'y suis déjà allé. Une sacrée thune. Il manque le portable Scully. C'est sûrement pour vous. Ouais. Allô, c'est l'agent Wilmore? Ouais. Agent Wilmore, ici l'agent Pendrell, je travaille au labo de Washington. J'ai fait l'analyse préliminaire du sang qui a été envoyé par vos services. C'est une mauvaise nouvelle que je vous annonce. Ces traces de sang venaient bien de l'agent Scully. Nom de Dieu. Vous en êtes certain? Pratiquement. Enfin, un complément d'analyse vous en dira plus, mais je suis presque certain que ce sera confirmé. Disons que nous savons qu'il y a eu blessure. Il y avait beaucoup de sang sur les lieux? Oui, enfin, pas mal. Ah, c'est peut-être qu'une blessure spectaculaire. Faut l'espérer. Merci de votre appel. De rien, je vous avertirai s'il y a quelque chose. Oui, s'il vous plaît. Agent Wilmore. Oui. Je peux être tenu au courant? D'accord. Au revoir. Encore de bonnes nouvelles. Vous savez le pêcheur que vous avez interrogé? Il est mort, on lui a tiré dessus. Comment saviez-vous pour Wong? Quoi? Que j'étais allé lui rendre visite hier. Par l'email que vous m'avez envoyé? C'est vous qui avez reçu un coup sur la tête? Je vous ai pas parlé de Wong. J'ai oublié sans doute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis venu tôt, je comptais voir votre travail. Quelqu'un m'est tombé dessus. Vous avez pu le voir? Non. Qui que ce soit, le coup a été bien porté. Ils n'ont pris que l'ordinateur de Scully, pourquoi? Vous avez compris. Shanks va être fou furieux. Et également Skinner. Oui, c'est normal, il faut s'y attendre. D'abord, ces agents disparaissent, et ensuite, nous perdons leur dossier confidentiel. Je ne connais pas toute votre affaire, mais il y a un mec qui a un sacré piston pour arriver à voler du matériel dans un bureau du FBI. Oui, entrez. Toutes mes félicitations, mon vieux. Je sais pas comment vous vous êtes arrangé, mais vous venez de justifier l'intervention de la police fédérale. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous en... Eh bien, agent Wilmore, à moins que nous n'ayons subitement une révélation, je crois qu'il est évident qu'on lui a tiré une balle dans la tête. On s'est déjà vu. Oui, on a travaillé sur un kidnapping l'an dernier, vous vous souvenez? Désolé. C'est pas grave, on faisait une bonne équipe. Quelle est l'heure de la mort? Eh bien, vu le nez, je dirais qu'elle remonte à peu près à 5 ou 6 heures. Donc soit en fin de nuit, soit en début de matinée, tout au plus. Quel était le calibre de l'arme? Peut-être bien 11.43, disons pour le moins 9.06, quoi. La balle a percuté la mastoïde. C'est cette grosse masse spongieuse en bas de l'oreille. Elle éclate souvent quand il y a un choc et ça crée des dommages très importants. Il y a des morceaux d'os brisés qui vont se ficher dans le cerveau. C'est là que Kennedy avait reçu sa balle. Vous êtes un partisan de la théorie du tireur solitaire? Non, c'est les extraterrestres qui étaient derrière tout ça. Il y a des traces de bagarre? Non, je pense que soit il a dû être surpris, soit il connaissait l'agresseur. Apparemment, il n'y a pas eu de témoin. C'est ce que je crois, mais faudrait voir ça avec l'inspecteur à Stadourian. Un médecin légiste n'a pas l'occasion de fréquenter les gens qui ont été présents sur les lieux. Vous savez ce qui est arrivé? Non. Une idée sur le mobile? Encore un nouveau vol, sans doute. Demandez à Stadourian, elle est au courant. Je peux avoir des copies de ça? Oui. C'est pourquoi? Craig Wilmore, FBI. Bien. Dans 2 jours, Maxi. Que puis-je faire pour vous? Je suis l'agent Craig Wilmore, FBI. Le FBI? Qu'est-ce qui peut l'intéresser dans le secteur? J'ai été lui rendre visite hier.
Oh, je devrais peut-être voir en toi un suspect. Tu l'as questionné à propos de quoi? Des activités illégales dans ce hangar. Il est possible qu'il ait été mêlé de temps en temps à ce genre d'activité. Je tâcherai de faire ce que je peux. Alors, où en es-tu? Le capitaine du port a trouvé le corps. On l'a abattu d'une balle dans la nuque, un gros calibre à première vue. Pas de témoin, aucun signe de lutte. C'est tout? C'est un début. Une idée sur le mobile? C'est le vol, sans doute. On lui a pris quoi? Je n'ai pas encore eu le temps de te regarder, il faut déjà que j'aille sur le bateau. Je ne suis pas chaud pour la thèse du vol, je crois que ce gars-là n'était pas riche. Oui, il me semble aussi. Mais c'est fou ce qu'on peut tuer pour des broutilles, ou alors il avait peut-être une liasse de billets chez lui. Il est possible aussi que ce soit pour jouer un tour au FBI. Si seulement c'était amusant. Au fait, Wang était en relation avec des personnes assez peu fréquentables. Bon, et le capitaine du port, où est-il? Je vais le faire. C'est sur ma liste, après la visite du bateau. Il n'y a pas eu d'échauffourée dans le coin? Non. La nuit a été calme sur les quais. C'est dommage. Ouais. Ce serait pratique d'expliquer toute cette histoire par un règlement de compte. Cette fois, je crois qu'il est temps de faire un saut sur la grippa. Tu m'accompagnes? Tu as une jolie couleur de cheveux. Je ne te savais pas si galant. Regarde-moi ça. Où mettait-il le poisson? Quoi? Où est-ce qu'il mettait sa pêche? Il n'y a pas de frigo. Il n'y a même pas de glacière à bord. Où partait le poisson? Apparemment, il y a d'importantes réserves de gazole à l'intérieur. Tu sais que Monsieur Wong prenait des calmants volés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai trouvé une cachette de pilules dans sa cabine. Aucune boîte n'avait de vignette, je suis sûr qu'elles sont volées, puis une pareille quantité. Très intéressant. En tout cas, ça donne un côté légèrement sordide à ce dossier. Alors, tu crois que le mobile de ce crime était le cambriolage? Attendons de voir ce que l'autopsie révélera, d'accord? Tu sais que le poisson se fait rare dans la région depuis quelque temps? Non. Où as-tu appris cette nouvelle? C'est Wong qui me l'a dit hier. Ah, ça doit être vrai si ça vient de lui. C'est quoi le tarakan? Quoi? Le tarakan, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, pourquoi? J'ai trouvé un ciré dans la cabine, c'était marqué tarakan. C'est peut-être le nom de son bateau. Non, ce bateau s'appelle l'Agrippa. Bon, on dirait qu'il y a un autre mystère à ajouter à ta liste. Alors, quelle est ta théorie? Je pense que ce Wong n'était pas du tout ce qu'il semblait être et que ce bateau avait une autre fonction que la pêche, ce qui conduit à voir le meurtre de façon très différente. Terminé! Wong a été bien sage, je l'emmène avec moi. Que le coroner me téléphone dès que c'est fini! D'accord. La matinée est calme, ça devrait pas être trop long. Merci! Ah, l'officier de port est revenu. Ah bonjour, j'aurais dû penser que vous étiez deux. J'aurais apporté un autre café. C'est pas grave, l'agent Wilmore essaie justement de s'en passer. J'aurais quand même pu apporter un des cas. L'agent Wilmore travaille au FBI. Voulez-vous lui dire ce qui s'est passé? Oui. Bah, j'ai remarqué que le bateau de Wong n'avait pas pris la mer comme d'habitude. Je me suis dit qu'il avait eu, disons, une digestion difficile. Alors j'ai voulu lui rendre visite, et je l'ai trouvé allongé là où vous l'avez vu. J'ai téléphoné à la police et je suis allé prendre un café. Depuis quand vous connaissiez Wong? 2 ou 3 ans. Il s'est installé ici en 94. Ouais, c'était en janvier. Hier soir, y a-t-il eu quelque chose qui vous est paru étrange? Non, rien du tout. Une nuit tranquille. Est-ce que Monsieur Wong avait des ennemis? Non, je ne crois pas. Bon, je suis prêt à dire non, mais à l'heure actuelle, toutes les certitudes s'envolent. Savez-vous si Monsieur Wong avait des difficultés financières? Oh non, j'en sais rien. Il a toujours très bien payé les taxes du port. Évidemment, c'est dur pour tout le monde ces temps-ci. Je suppose qu'il était comme les autres. Qu'est-ce que le tarakan? Un remorqueur de zone côtière. Il a brûlé en mer, ça fait 2 mois. Tiens donc. Pourquoi Monsieur Wong avait-il un ciré qui venait du tarakan dans sa cabine? Ah, ça j'en sais rien. Il ne connaissait pas ces gars-là.
C'était tous des Russes. Peut-être qu'après l'incendie, il l'a pris comme souvenir. Oui, je crois me le rappeler, on en a parlé. Tout le monde est mort, c'est ça? Ouais, ouais. L'épave est encore dans le bassin de radeau, vous voulez voir? Cet entrepôt est à qui? À une société d'armement, la Majestic Shipping. Elle est d'Extrême-Orient. Vous avez son téléphone? Oui, ça dépend où vous voulez les appeler. Ils ont des bureaux à Hong Kong ou en Tchétchénie. Lequel vous voulez? Le numéro du siège? Non, non, ces gens ne travaillent pas comme ça. Mais c'est d'accord, je vous donnerai toutes mes informations. Merci, faxez-les-moi. Ah oui? Ils sont venus nous poser des questions, c'était l'autre jour. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé? Qui possédait cet entrepôt? Si on allait jeter un coup d'œil sur le Tarakan. Bien sûr, oui, il est pas loin d'ici, venez. D'accord. Seattle. Enfin, une vedette garde-côte, le Stalwart, a vu le feu à l'horizon et s'est dépêché de les rejoindre. Mais ils ne sont pas arrivés à temps, aucun membre de l'équipage n'a survécu. Combien d'hommes étaient à bord? 9 au total. On n'a pu retrouver que 4 cadavres, les autres sont supposés perdus en mer. Comment le feu s'est-il déclaré? Cause indéterminée, personne ne le sait. Regardez ça. Le feu semble n'avoir touché que l'extérieur de la coque. La cabine et l'intérieur n'ont pas brûlé du tout. Ouais, excellente remarque. Ils auraient été tués par un feu qui n'a brûlé que la coque. Et au fait, quel genre de feu peut brûler la coque d'abord? Ça, je ne sais pas. Les enquêteurs, c'est vous. Est-ce que je peux vous laisser? Je dois aller remplir plein de dossiers. Vous savez, quand il y a un cadavre, la paperasse s'accumule. Oui, allez-y. S'il y a autre chose, je vous téléphonerai, merci. Aucun problème. Bon, ravi de vous avoir vu. Je vous faxerai les numéros de téléphone. Je sais bien qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Quoi? Je ne sais pas ce que c'est, je veux seulement te dire que je ne suis pas aussi aveugle que tu sembles le croire. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. T'as fini de faire l'innocent? Toutes tes questions sur l'entrepôt, sur le nom des locataires, c'est du blabla. Écoute, je ne sais pas de quoi il retourne, mais je ne tarderai pas à le savoir. Tu as fait une découverte? Regarde ces traces-là, sur le côté de la cabine. Ça a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'en ai pas la moindre idée. Ça me rappelle des photos que j'ai vues sur Hiroshima. Comment ça? Eh bien, le souffle de la bombe avait tracé au sol les silhouettes des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est un souvenir vague, mais j'ai vu ces images quand j'étais petite. J'en ai eu des cauchemars longtemps après. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Eh, fais un peu attention! On se détend. C'est le genre de truc qui peut exploser. Et vu son poids, c'est une chose possible. Il faudrait peut-être le confier à un spécialiste. Allez, un peu de sang-froid. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu devrais te contenter d'un café par jour. C'est vide. Ah, qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, mais ça devrait amuser les types du labo. Ça semble intéressant. On dirait du cyrillique. À Seattle, la police a un corps spécial pour la contrebande en provenance de l'ex-Union soviétique. Ils ont même un traducteur à plein temps, je lui ferai traduire. Je vais prendre en charge la traduction. Oh, et comment ça, tu vas prendre en charge la traduction? C'est toujours moi qui décide. Désolé, c'est à la police de Seattle de s'en charger. C'est toujours moi qui dirige cette mission. Nos juridictions se recoupent. C'est l'agent fédéral qui a la préséance, point final. Jamais personne ne s'adresse à moi sur ce ton-là, alors je te prie de bien vouloir changer de méthode, tout de suite. Je pense qu'on a déjà effacé toutes les empreintes. Oui, on dirait.
Ça doit remonter à la première enquête qui a été menée. Tiens, c'est bizarre. On dirait qu'il y a de nouvelles empreintes par-dessus les précédentes. Et quelqu'un a pu poser la main à cet endroit après qu'on est venu nettoyer, ou un flic a fait une bêtise ou une autre personne est passée. Bon, il faudra les faire relever. John, c'est Craig. J'ai besoin d'un relevé d'empreintes. Un boulot sur le terrain, c'est ce que je préfère. Où ça? Dans les docks. De nouvelles empreintes ont été déposées par-dessus d'autres plus anciennes qu'on avait déjà relevées. J'adore ce genre de défi. Tenez-moi ça bien au chaud, j'arrive. Inspecteur, un appel du bureau du coroner, à l'instant. On a continué l'autopsie de M. Wang. Il y a du nouveau. Allons-y. Ah non, tu dépasses les limites. C'est moi qui mène cette enquête, tu entends? J'irai voir le coroner. Et toi? Eh bien, j'ignore ce que tu feras, mais tu ne m'accompagneras pas. Écoute, j'ai le droit de savoir ce qu'a donné cette autopsie. Et depuis quand le gouvernement fédéral s'intéresse-t-il au meurtre d'un capitaine de bateau de pêche? Je ne mène pas d'enquête sur ce meurtre, mais j'ai parlé à M. Wang hier soir et son sort peut avoir un rapport avec l'affaire que je suis. Et en quoi? Alors, on y va. Voici l'agent Wilmore du FBI, il a interrogé Wang hier. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Que savez-vous? Il s'agit là de l'autopsie la plus étrange que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Cet homme est mort d'un seul coup de feu tiré à l'arrière de la tête, avec une arme de gros calibre. D'autre part, c'était un consommateur de drogue. Il semble qu'à l'heure de sa mort, il était drogué. Ça expliquerait qu'il n'ait pas lutté. Mais s'il n'avait pas été tué par la drogue ou un coup de feu, il serait mort en quelques semaines de toute façon. Oh, Seigneur. Pourquoi? Il était complètement dévoré par d'énormes tumeurs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça? Aucune idée. Je n'ai jamais vu un être humain qui soit aussi envahi par le cancer. J'ai horreur de venir ici. Vous savez, moi aussi. Quel genre de cancer? C'est là que les choses se compliquent. Vous voyez là trois différentes sortes de cancers. Je ne serais pas étonné qu'on en découvre d'autres. C'est comme si tout son système immunitaire endocrinien s'était soudain détraqué. Y a-t-il un nom pour cette chose? Bizarre. Non, je veux dire, y a-t-il un syndrome, une sorte d'explication? Non, ou en tout cas, je n'en connais pas. Alors il était défoncé. Vous voyez, je déduis ça de certains détails, comme le relâchement de la tension crânio-vasculaire, la dilatation des pupilles et quelques autres observations, mais la prise de sang va le confirmer. Il s'est drogué depuis combien de temps? Oh, c'est difficile à dire. Les tissus organiques et le sang apporteront des éléments de réponse, mais ça restera difficile à déterminer. La prolifération des tumeurs nous indique que ce sujet souffrait et même qu'il souffrait beaucoup. Il se droguait peut-être pour soulager sa souffrance. Quelle est l'origine d'un tel cancer? Aucune idée. En dehors du fait que ce n'est pas ma spécialité, j'ai du mal à imaginer l'origine d'un pareil ravage. Une exposition prolongée à des radiations ou des produits cancérigènes? Ou à certaines substances radioactives, ça peut être aussi le fait de produits chimiques, dits mutagènes, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Il était malade depuis longtemps? Les tumeurs ne sont pas prévisibles. Pour qu'une excroissance atteigne cette taille, il a fallu beaucoup de temps et surtout une immense souffrance. Ce qui peut expliquer l'usage de la drogue. Même avec la drogue, un tel état aurait été pratiquement impossible à supporter. Ou bien il aurait fallu des doses tellement fortes que ça l'aurait transformé en zombie. Étrange. Vous avez vu un cas similaire récemment? Non, grâce au ciel. Est-ce que c'est la balle? Oui, en effet. Je veux la faire analyser. Je pense que c'est possible. Quel rapport avec le Tarakan? Je me posais la même question. Le Tarakan, je me souviens de ça. Vous êtes le deuxième agent à m'en parler cette semaine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En réalité, pour être précis, vous êtes le troisième agent, car ils sont venus à deux l'autre jour, un homme et une femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont demandé que les corps de l'équipage du Tarakan soient exhumés. Elle a insisté pour qu'on pratique une seconde autopsie. Comment s'appelait-il? Désolé. Souvent les noms, je les oublie. J'en entends tellement. C'était Mulder et Scully, n'est-ce pas? Oui. Diana Scully et Wolf Mulder, c'est ça. Elle a trouvé quoi? Aucune idée. Les corps sont toujours là, vous pouvez les voir. Quels étaient les résultats de la première autopsie? Ils sont morts de graves brûlures. On veut les voir. D'accord. Vous avez l'estomac bien accroché, j'espère? J'ai horreur de venir ici.
Je préfère vous prévenir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ces types ont été enterrés pendant 2 mois. Vous vous sentez bien ? Comme un charme, merci. Est-ce qu'on peut en finir à présent ? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Apparemment, quelqu'un a pris les cadavres du Tarakan. Restez ici, je vais tâcher d'y voir plus clair. Dès que je le peux, je vous tiens au courant. Quelle affaire est-on allé se fourrer ? Allez, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Arrête ce petit jeu, tu sais très bien de quoi je parle. Tu ne dois plus rien me cacher à propos de l'affaire que vous suivez, toi et tes collègues de Washington. Je n'ai pas la liberté de révéler certaines choses. Tu n'as pas la liberté ? Ah oui, d'accord, oui, je vois. Eh bien, moi, je vais t'en faire des révélations. Tu veux connaître mon avis ? Eh bien, je crois que Wong faisait de la contrebande. Que sur le Tarakan, tout l'équipage en faisait. Quelles marchandises passaient-ils ? Il s'agissait probablement d'armes à base de plutonium venant de pays de l'ex-URSS. Leur manque d'expérience explique l'incendie qui a pris sur le bateau, le cancer, le décès des marins et en plus le résultat des autopsies. Je crois que tu es au courant de tout ça. Et en négligeant d'informer nos services, tu as fait courir un risque à la population locale. Si tu ne m'apportes pas des réponses satisfaisantes dans les 5 secondes, je vais trouver la presse pour lui dire que les services du FBI, qui déjà font obstacle à l'enquête de la police locale sur le plutonium frauduleux, jouent avec la vie de la population de Seattle en essayant de cacher le danger qui menace la ville. Tu as le plus grand intérêt à dire la vérité si tu ne veux pas finir tes jours en prison. On a perdu 2 de nos agents spéciaux, je suis là pour les chercher. D'accord, ce sont les 2 qui ont exhumé les cadavres. Oui. J'y suis. Les cadavres ont disparu, les agents ont disparu, et Wong souffrait d'un cancer venu d'un autre monde. C'est quoi toute cette histoire ? Ce qu'il faut, c'est que tu cesses de me mentir. Cette histoire va plus loin que je ne le pensais. Tu parles, nous l'avons sous-estimée. En quoi Mulder et Scully sont-ils reliés à Wong ? Bonne question. À travers le Tarakan, c'est évident. Mais quel est le fil qui relie tous les éléments entre eux ? Je t'écoute, dis-moi ton idée. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois savoir ce qui se passe ici. Non, attends, j'espère me tromper. Quoi ? Il transportait des marchandises en contrebande, on le sait. Wong travaillait pour les mêmes personnes que l'équipage du Tarakan. Ça peut expliquer le ciré, l'absence d'équipement de pêche. Donc, il travaillait pour les mêmes personnes. Tu as parlé à Wong, ils l'ont tué de peur qu'il te révèle quelque chose. Les 2 disparus ont retrouvé les cadavres du Tarakan et peu après, les uns et les autres se sont transformés en courant d'air. Nous avons mis la main sur des trafiquants qui importent en fraude, soit des matières radioactives, soit peut-être bien des armements chimiques. Ils fournissent notre pays à partir de l'ex-URSS. Cela explique le feu sur le Tarakan, le cancer de Wong et pourquoi on l'a tué, et aussi la disparition de vos 2 agents. Ils savaient beaucoup trop de choses. On avait découvert leur présence et l'enjeu valait la peine d'éliminer 2 agents fédéraux. À nous deux, on va éclaircir ça. C'est à ça que servent nos impôts ? Dans votre boulot, il n'y a jamais de pause pour déjeuner ? Drôle d'humeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, fantastique. Du cyrillique. Ça a l'air, c'est la traduction qui m'intéresse. Le temps de vous l'écrire, ça va être chose faite. Oh là ! C'est quoi ça ? Une bombe ? Je n'en sais rien. Ça m'étonnerait. Mais je voudrais que vous me disiez ce dont il s'agit. Le plaisir est pour moi. Ah, encore une dragée. J'adore les balles. C'est simple, costaud, silencieux, tout comme vous, Wilmore. Quand c'est en de bonnes mains, c'est fou ce que ça révèle. Vous voulez qu'on la compare à celle de la dernière fois ? Quelle intuition vous avez ? Je suis certain que je vous étonnerai. Un boulot intéressant ? Ah, très chouette, un vol d'œuvre d'art, le truc génial, top secret, Motus. Oui, alors, c'est pour ça la BD, hein ? Thank you.
que vous faites ? Non, mon vieux, qu'est-ce que vous faites ? Vous étiez censé me tenir au courant de votre affaire. Ai-je été informé ? Non, j'ai été tenu complètement à l'écart. Ne jamais agir seul est le premier des principes, s'il vous arrivait quelque chose. Que deviendrait votre enquête, hein ? C'est la vie de deux agents qui est en jeu. Pensez à ça au lieu de penser à la façon de marquer des points avec Skinner. Elle affirme. Ma parole. Vous entrez ici comme si vous étiez le pape en personne. Pourquoi vous me demandez pas de m'expliquer avant de vous emballer ? Navré si vous avez eu une mauvaise journée. Mais soit vous êtes poli, soit vous sortez de chez moi à l'instant. Oh bon sang, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je perds le fil. J'ai été suivi par deux types dans une voiture. Je crois que ce sont les mêmes à qui vous avez eu affaire, et je ne sais pas qui ils sont ni pour qui ils travaillent, mais ce sont des gars du gouvernement. Je pense que Mulder et Scully ont découvert une affaire de corruption qui compromet de hautes instances du bureau. C'est votre point de vue, mais ça ne prouve pas la corruption. Il n'y a aucune autre explication, c'est parfaitement logique. Des trafiquants très puissants ont payé des agents fédéraux pour qu'ils détournent les yeux. Mulder et Scully sont tombés là-dessus et ils ont été éradiqués. J'ignore pourquoi, mais ça semble aussi. Je suppose qu'en effet des trafiquants font parvenir des matériaux à Seattle en provenance de la Russie et qu'ils peuvent avoir infiltré le bureau. Pour qui travaillent ces types ? Pour le FBI. Ils ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur du bureau. Ça sent le Russie. Mulder et Scully ont demandé qu'on exhume des corps pour une autopsie et ils ont été volés à la morgue. Wong a été complètement dévoré par le cancer. Tout indique qu'il y a un trafic clandestin de matériaux radioactifs qui arrive jusqu'à Seattle en provenance de la Russie. Sans doute Mulder et Scully l'avaient découvert. Alors qui étaient les costards dans la voiture ? J'en sais rien. Je ne l'ai pas encore résolu. Pourquoi a-t-on trouvé vos empreintes sur le Tarakan ? Quoi ? Le Tarakan. C'est un remorqueur qui a brûlé. Je sais ce que c'est, mais qu'est-ce que vous racontez ? J'essaie de comprendre comment vos empreintes sont arrivées sur un bateau qui est impliqué dans une dizaine de morts et de disparitions sans que vous en ayez apparemment entendu parler. Écoutez, on m'a chargé d'enquêter sur cet incendie il y a 2 mois quand ça s'est produit. Et je n'ai rien découvert. Ça m'a pris environ 2 heures, c'est tout. Pourquoi j'en ai rien su ? Vous étiez peut-être aux toilettes ? J'en ai jamais parlé parce que cette histoire me semblait hors sujet. J'ai fait mon rapport à Shanks en laissant ça de côté. Il est possible que j'ai laissé une empreinte, mais c'est ma seule erreur. 1 minute. C'est peut-être pour ça que je suis filé. J'ai accusé l'équipage de contrebande et c'est ce que mon rapport disait. S'ils ont lu mon rapport, et si quelqu'un du bureau est impliqué, alors tout devient parfaitement clair. Il y a un réseau de trafiquants très puissants qui corrompent des agents fédéraux, peut-être même au FBI, non seulement pour détourner les yeux, mais en plus pour leur prêter assistance. Par exemple, en suivant des agents qui s'approchent un peu trop de la vérité. Seigneur, comment savoir qui tire les ficelles en haut ? Bon, écoutez, on ne doit prendre aucun risque. Vous devez me tenir informé. Je veux que vous ne parliez à personne d'autre que moi jusqu'à ce qu'on ait découvert ce qui se cache là-dessous. Je pars avant que ma voiture ne soit repérée. D'accord, je retourne surveiller. À l'entrepôt ? Faites attention. Voilà, j'arrive. Est-ce
qu'il y a du nouveau? Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bossé tard hier soir, et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, ça va. Quelle heure est-il? Presque midi. Encore un mort par brûlure. Les lésions visibles ressemblent étrangement à celles de l'équipage du Tarakan. J'ai tout ça sur cassette vidéo. Il faut la rembobiner. Oh, ça, au moins, c'est du matériel. Impressionnant. J'aime les hommes qui n'ont pas peur de la technologie. Quel genre de lésion avait l'équipage? J'ai conservé le premier rapport d'autopsie. Je l'ai apporté, si tu veux le voir. Qui est la victime? Un Kidam, un chauffeur de poids lourd pour Gordon's Hauling à Charnow. C'est arrivé à quelle heure? À 6h17 ce matin. Mais d'où vient cette cassette? De la caméra de surveillance de la station-service. Elle n'est pas très nette, mais on y distingue la... la chose. Quelle chose? Oh, tu vas voir. On dirait la voiture louée par Mulder. Même marque. Et on dirait Mulder. Tu l'as déjà vue? Non, juste des photos. Ah. Ce type était à l'entrepôt hier soir. Un autre camion, de la même société, Gordon Sowling. Charnow et Tad Washington. Alors, qu'en penses-tu? D'après toi, c'était quoi? Je n'en ai aucune idée, mais ces lésions étaient identiques à celles de l'équipage du Tarakan et tout l'outillage électronique des stations-service est tombé en panne. Qu'est-ce que tu penses de ça? On aurait dit que cette lumière émanait de son corps. C'est vrai, non? Alors, comment tu l'expliques? Une arme, en quelque sorte. C'est possible, mais laquelle? Je veux dire, c'est la première fois que je vois ça à une puissance pareille, c'est effrayant. Je n'en ai aucune idée. C'est comme moi, à part que je suis intimement persuadée qu'il y a une relation entre cette mort et celle survenue à bord du Tarakan. Pourquoi le type de Charnow en voulait à Mulder, à supposer que c'était Mulder? J'en sais rien, mais en tout cas, il n'avait rien d'amical. Qui c'était? Je ne l'ai pas encore identifié, il avait des brûlures profondes. Et chez Gordon Sowling, il n'y a personne qui connaît ce type? Personne ne répond au téléphone. Et en plus, les locaux sont apparemment vides. J'ai envoyé le shérif du comté sur les lieux et sans résultat. Alors, quel est le lien avec Gordon Sowling? Tu veux dire pourquoi y avait-il un camion Gordon Sowling à la fois ici et à l'entrepôt? Ouais. Pour cause de contrebande? Où est le camion? Il est entièrement vide. J'ai envoyé une équipe qui doit le garder. Qu'est-ce que le Tarakan a à voir avec tout ça? Il est évident qu'ils font partie des trafiquants, ou ils se sont brûlés eux-mêmes en manipulant le plutonium, ou alors ils se sont fait tuer. Et qu'est devenu Mulder? Toute cette affaire me paraît bizarre. Il y a quelque chose de louche là-dessous, c'est plus que de la contrebande. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Je regrette, si nous savions ce qui se cache derrière tous ces mystères, nous aurions déjà retrouvé les agents. Tu as reçu un fax? Je vais retourner chez Truth. Le corps est resté là-bas et je voudrais savoir ce qu'elle a découvert. Oh, est-ce que tu as fait traduire le document, Cyrillic? Je l'ai déposé hier au labo. Je dois les appeler et leur demander de m'envoyer la traduction. Donc Wang travaillait pour les Russes. Ça explique tout, le cancer et pourquoi on l'a tué. C'est clair, ils font de la contrebande de plutonium. Nous devons les en empêcher. Sinon, il y aura des victimes. Allez, cow-boy, à cheval, on perd du temps. Et où est-ce que nous allons? Au bureau du coroner, pour avoir le rapport d'autopsie concernant les victimes brûlées. Je peux prendre une douche avant? Comment le saurais-je? Je peux avoir besoin d'un coup de main. Dans ce cas, tu ferais mieux d'appeler ton partenaire, je crois. On dit que Cook a une fameuse poigne. J'ai horreur de venir ici. Tout ce que je sais, c'est que cet homme n'est pas mort suite à des brûlures ordinaires. Il semble avoir subi un rayonnement du même ordre que les victimes de la bombe à Hiroshima. Pourquoi pensez-vous à des radiations? D'abord, c'est vrai que ce n'est pas ma spécialité, mais il a été brûlé des pieds à la tête. Intégralement. Le feu ne fait jamais ce genre de choses. Ensuite, quand je lui ai retiré ses vêtements, ils étaient très peu endommagés. Regardez, ça c'est l'empreinte du logo de sa chemise. Un rayonnement thermique en est la cause. Des effets similaires ont été observés à Hiroshima. La peau des victimes portait la trace de leur kimono. Les ombres inversées de certains objets furent gravées pour l'éternité dans les murs. Vous avez une idée sur les marins du Tarakan? Non. L'opération a été bien menée. Ils sont entrés et se sont emparés de tous les corps sans laisser aucune trace. Y a-t-il des similitudes entre ceux-ci et les autres victimes? Les effets sont presque identiques. On n'a pas fait le rapprochement avec le Tarakan parce que ça ne nous est pas venu à l'idée.
Je veux dire que ce genre de choses est très rare, vous savez. Parfois, l'extraordinaire nous échappe même quand il est sous nos yeux, simplement parce qu'on ne s'attend pas à le voir. Une manipulation de matière radioactive cause-t-elle des brûlures de ce genre? Pas autant que je sache, mais je ne suis pas une spécialiste. Une maladresse dans la manipulation de ces matières peut être l'origine des tumeurs de M. Wang, mais des brûlures de ce genre sont causées par une explosion. La sécurité ne semble pas les préoccuper beaucoup. T'as raison, il y a pourtant un joli tas de marchandises. C'est le même camion qu'il y avait aux entrepôts. Il est évident qu'on est au bon endroit. Le désert. On y va? Ça va? Rien de cassé? Ça va, oui. Je viens de trouver ce qu'on cherche. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça. C'est un manifeste. Il recense le nombre de chargements partis de ces entrepôts sur la route 1121 vers le comté de Fante, dans l'état de Washington. Alors, je crois qu'on sait où se diriger. Apparemment, on n'est pas venu pour rien. Bien, allons-y tout de suite. Ouais. On est enfermés. Bon sang, il y a une bombe ici. Il faut se dépêcher de sortir, vite! Cette fenêtre est reliée à la bombe. Il y a des outils ici, dans le recoin. J'aimerais bien griller une si je fumais encore. Tu sens bien? Ah oui, ce genre de choses est un excellent exercice. Si tu veux, je peux prendre le volant. Oh, quel bon geste, quelle générosité. Tu n'avais encore jamais touché à une bombe. Oh, moi ça m'arrive tout le temps. Ah, non, Wilmore, tu ne devrais pas faire ça. Je préfère être franche avec toi, alors comprends-moi maintenant. Il faut qu'on finisse le boulot en cours et ensuite on verra ce qui se passe. Ne brouillons pas les pistes. Ce type, c'était qui? Il avait une force fabuleuse. Oui, j'ai eu cette impression. Tu crois qu'il fait du judo? Tes yeux avaient une lueur bizarre. Rien ne t'a étonné? Non, le traitement qu'il m'a infligé a dû me faire rater quelques détails. C'était comme si il n'avait plus sa raison. Comme si son esprit était contrôlé par je ne sais pas quoi. L'adrénaline peut faire des choses étranges. Qui dirige Gordon Sowling? Des Russes, de la mafia. En réalité, c'est des Géorgiens. Des Géorgiens? Tu te souviens que tout l'équipage du Tarakan était aussi géorgien? Je crois savoir pourquoi le portail était ouvert. C'était pour accueillir les nouveaux voisins? Non, on l'a laissé ouvert dans le but que quelqu'un entre et dépose la bombe. C'était pour le type ou pour nous qu'elle était là? Cette bombe était-elle un piège ou bien était-elle là pour assurer une protection? Une protection? Peut-être celle d'un journal de bord, ou bien encore d'un itinéraire. Je ne vois qu'une chose qui soit évidente, c'est que cette histoire n'est pas claire. Si on a mis la bombe, c'est pour éliminer un indésirable. Alors, ça y est, on y va? C'est quand tu veux. N'oublie pas que tu conduis. Très bien.
Bonjour, j'ai du nouveau. De quoi s'agit-il ? Je vais vous le dire de quoi il s'agit. J'ai fait avancer votre affaire. De quoi vous parlez ? De Evgeny Smolnikov, chef d'un réseau géorgien de contrebandiers. Et j'ai un témoin qui assure l'avoir vu sur les docks la nuit du meurtre de Wong. J'ai donné l'ordre de surveiller son petit nid d'amour et depuis ce matin, on a accumulé assez de preuves pour justifier une descente. On file en vitesse, la brigade d'intervention nous rejoindra. Pas besoin de me remercier. Vous avez un mandat ? Pour qui vous me prenez ? Pour un amateur ? Oui, j'ai un mandat fédéral délivré par un juge fédéral. Je ne vous laisserai pas faire ça. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux ? Je fais seulement mon travail, je ne cherche pas à piétiner vos plates-bandes. En tout cas, il est évident que ce type introduit en fraude du plutonium sur le territoire américain. Et je pense qu'il détient la clé de la disparition de vos deux agents. Donc, ne traînons pas. Allons-y. Cette enquête est la mienne. Au contraire, cette enquête est la nôtre. Je suis chargé d'arrêter les méchants. Vous avez oublié que c'est notre boulot à tous que d'arrêter les méchants. Et pour Astadorian, il faudrait la tenir au courant. C'est fait. Je lui ai laissé un message. Je n'ai pas l'habitude de laisser mes collègues sur la touche. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? J'allais le faire, mais le témoignage date seulement de ce matin et l'affaire est très récente. D'ailleurs, vous n'étiez pas facile à joindre hier autant que je me souvienne. Le témoin, c'est... Quel témoin ? Celui qui a identifié Smolnikov. Ah oui, Fred Koller, 56 ans, sans logis. Il paraît qu'il dormait sous un filet à 50 mètres à peine du lieu du crime. Il a tout vu et tout entendu. J'aimerais voir cet homme. Bien sûr. Quand vous voudrez, après la descente, il sera à vous. Allons-y. Je ne vois pas les renforts. Les gars de la brigade d'intervention sont en route. On devrait attendre. Non, il faut en finir avec ça. La surveillance a signalé que Smolnikov était tout seul. Vous disiez ? Après vous. Couvrez-moi. 5 sur 5. Pas un geste. Y'a pas d'al, il ne me gouche pas. Cook, descendez me rejoindre, je le tiens. Je suis là, je suis là. Où étiez-vous ? Je contrôlais le premier étage. Alors, monsieur Smolnikov, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous là ? Je n'ai rien fait du tout. De quel droit vous faites irruption chez les gens ? Ici, ce n'est pas la Russie. Taisez-vous, vous êtes en état d'arrestation. Je vais lui lire ses droits, fouiller toute la pièce. En bas, j'ai vu traîner un 906 près de la fenêtre de gauche. Pourquoi avoir tué Wong ? Parce qu'on l'a rencontré, qu'avez-vous à cacher ? Non, je ne l'ai pas tué. Je le connaissais bien. Il a peut-être travaillé pour moi, mais je ne l'ai pas tué. Vous avez tué l'équipage du Tarakan. Mais non, je n'ai tué personne. Ces hommes travaillaient pour moi, pourquoi je les aurais tués ? Il y a eu le feu à bord. Oui, un feu allumé ensuite pour masquer ce que vous aviez fait. Que je fais un peu de contrebande, je suis loin d'être le premier, mais je vous dis que je n'ai tué personne. Regardez ça. Un carnet de bulletins de salaire, pareil à celui qu'il y avait sur le Tarakan. Vous avez tout intérêt à coopérer, monsieur Smolnikov. D'après le journal de bord du Tarakan, Wong travaillait pour vous. Tous les documents trouvés ici l'attestent. Sans doute. Ça ne prouve rien du tout. Dans cet entrepôt, il y avait quoi ? Que voulez-vous dire ? Vous y êtes dans mon entrepôt. Mais enfin, mon entrepôt est ici ! C'est absurde ce que vous dites ! Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons que vous nous disiez la vérité. Où est le plutonium qui était à bord ? Quoi ? J'ai acheminé beaucoup de sortes de choses, mais jamais ça ! C'est insensé, votre histoire.
Hey, la belle au bois dormant. Wilmore. Alors ça va? Oui, et vous? Vous avez l'air crevé. Je suis pas dans mon assiette. Qu'est-ce qui va pas? J'en sais rien, je dois couver une bonne grippe, une saloperie. Quoi de neuf? Je suppose qu'il faut que j'examine ça. C'est gagné. C'est ma chance. La migraine venait juste de partir. Navré, John. Vous êtes crevé, ça se sent. Ça va. Allons-y. Aucun doute, les trois correspondent. Ok. Je vous remercie. Bon rétablissement. Dites-moi ce qui est arrivé aux agents. De quoi voulez-vous parler? La femme a laissé des traces de sang dans votre entrepôt. Comment? Mon entrepôt, vous y êtes? L'expertise est nette, c'est votre arme qui l'a blessée. Je jure que je n'ai pas tué vos agents. Allez, on l'embarque, on le fera boucler en ville, debout. On poursuivra l'interrogatoire une fois qu'on sera au poste. Et on demandera à la police locale de surveiller l'entrepôt. En avant. C'est Amis. Le bateau où vous m'avez envoyé est radioactif. Quoi? Le bateau, le Tarakan. Il dégage un très haut niveau de radioactivité. Vous m'avez envoyé dans la merde. Maintenant, je vois que c'est pas la grippe que j'ai chopée. C'est une bonne dose de radiation. Oh, c'est pas vrai. Écoutez, John, je suis désolé, je ne sais pas quoi vous dire. Faites gaffe la prochaine fois avant de buter quelqu'un. Salut Craig, c'est moi. Je suis vraiment désolée de t'embêter avec ça, mais ton chèque est encore en retard. Est-ce que tu l'as envoyé? Je sais que tu es très occupé. Enfin, joyeux Spark, sois prudent. Mais qu'est-ce que t'as en tête? À propos de quoi? De ta petite descente chez les contrebandiers. C'est une affaire que j'avais convitée spéciale et vous, vous débarquez, vous foutez la merde sans même vous soucier de nous passer un coup de fil. Tu me fais vraiment passer pour une imbécile. Je te croyais informé de tout. Et qui est-ce qui m'aurait informé de ça? Cook t'a téléphoné. Tu sais bien que non. Si, il t'a dit qu'il appelait le groupe d'intervention en renfort, seulement ils ne sont pas venus. Écoute, je n'aime pas qu'on me mente. Bien sûr, rien de tout ça ne me surprend, je savais à qui j'avais affaire. Moi qui commençais à trouver des qualités. Alors, tu décroches? Non, le répondeur le fera pour moi. Agent Wilmore, nous devons nous rencontrer immédiatement. Vos actions mettent en danger la vie des agents Mulder et Scully. Ils sont vivants, mais ne le seront plus très longtemps, à moins que vous n'agissiez très vite. Ça n'a rien à voir avec les contrôlants virus. Rendez-vous à Sandpoint, hangar numéro 4. Allons, venez seul, sinon je ne me montrerai pas. Il y a des données que je ne maîtrise pas. Je me doute qu'il est capital de servir des intérêts ténébreux. Mais tu veux que je te dise, j'en ai rien à faire. Je suis venu pour te dire une seule chose. Smolnikov vient d'être relâché pour absence de preuves. Agent Wilmore, je suis content de voir que vous avez suivi mon conseil et que vous êtes venu seul. Alors, c'est Monsieur Mystère. Je m'attendais à voir un émule de Sean Connery. Restons-en là si vous voulez bien, Agent Wilmore. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous demande donc de m'écouter très attentivement. Plus important, c'est que il est hors de question que vous disiez à qui que ce soit que nous nous sommes vus, à personne du bureau. Ni à Cook, ni à Shanks, ni à ce lieutenant de police de Seattle avec qui vous avez fait équipe. Est-ce que vous m'avez bien compris? J'attends votre parole d'honneur, agent Wilmore. Sinon, je ne vous aide pas.
Qui êtes-vous ? J'ai très peu de patience et encore moins de temps. Est-ce que j'ai votre parole ? Je ne peux rien promettre tant que je ne sais pas qui vous êtes. Aucune importance qui je suis. J'attends votre parole, agent Wilmore. Pour qui travaillez-vous ? Dites ce que vous avez à dire et arrêtez de jouer à ce petit jeu. Ceci est tout sauf un jeu, agent Wilmore. J'attends votre parole. Je ne dirai pas un mot. D'accord. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. Des vies sont en jeu ici. Y compris la vôtre. Mulder et Scully sont toujours en vie. Que vous dites ? Mais ils ne le seront plus pour longtemps si vous ne faites pas quelque chose pour eux. Scully et Mulder sont dans des lieux différents. Vous devez retrouver l'inconnue qui a été admise dans l'hôpital presbytérien de Gold Bar il y a 3 jours. Elle est sur le point d'en sortir. Ceci n'a rien à voir, je répète, absolument rien à voir avec la contrebande de plutonium soviétique. De quoi s'agit-il ? D'OVNI ou d'expériences secrètes du gouvernement ? J'avoue que j'admire votre cynisme, agent Wilmore. Dommage qu'il soit dilué dans une telle naïveté. Écoutez-moi, si vous comptez venir en aide à Scully et Mulder, vous aurez besoin d'autre chose que d'une arme à feu. Des hommes sont morts afin de posséder ceci. J'ai pensé que je pourrais vous le prêter un certain temps. Parce que sans lui, vous n'avez aucune chance de survivre. L'homme que Mulder et Scully recherchaient et celui que vous devez trouver pour avoir une chance de les sauver ne sera tué que par celui qui pourra enfoncer ce poinçon à la base de son cou. Quel est son nom ? L'apparence de cet homme est trompeuse. Si la blessure n'est pas précise, c'est lui qui vous tuera. N'essayez pas de le tuer avec une arme. N'essayez pas de le tuer avec quoi que ce soit, excepté en vous servant de ça. Si jamais quelqu'un découvre que vous l'avez, vous êtes mort. N'oubliez pas la femme de Gold Bar. Oh ! Arrête ton cirque, c'est moi. Oui, je t'ai reconnu. Ça te met de mauvaise humeur, le surmenage. Fais attention. Pourquoi tu viens ici ? Quand j'ai entendu le message, je n'ai pas voulu manquer l'événement. Il faut que tu fasses bien attention si tu ne veux pas te faire avoir. Je ne suis pas vraiment contre, il paraissait mignon. Mignon ? Précieux m'a l'air plus juste. Bon, on a à parler de beaucoup de choses, il me semble. Je pense aussi. Mais en premier lieu du Kidam de Gold Bar. Bonjour. Pourquoi venez-vous ici ? Nous cherchons une inconnue. Pourrais-je avoir une pièce d'identité ? Oui, bien sûr. Vous saviez qu'on était des flics. Qui d'autre demanderait à voir une inconnue ? Bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Nous voulons vérifier qu'elle va bien. Oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-elle ? Dana Scully. Oui. Vous souvenez-vous du nom que porte son supérieur immédiat ? Je lui téléphonerai, j'ai perdu les renseignements qu'on m'avait donnés. Walter Skinner. Sa chambre est juste derrière moi. Sa blessure va mieux ? Elle est en voie de guérison. C'était vraiment superficiel. Quant à ses autres affections, il m'est très difficile de les expliquer. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Je n'ai pas encore pu le diagnostiquer, j'ai seulement traité les symptômes. Léthargie, nausée, extrême nonchalance, déshydratation, perte de mémoire. Est-ce qu'elle pourrait sortir ? Oh, je vous le déconseille. Le fait de partir ne menacerait pas ses jours, mais ça me surprendrait qu'elle apprécie. D'autres personnes sont venues la voir ? Oh, Dieu merci, vous êtes les premiers. Elle est arrivée comment ? On l'a amenée. Qui ça ? Un des membres du personnel occupe l'emploi de détective. Nous avons des principes très différents de tous les centres médicaux habituels. Nous sommes fiers de cette liberté qui permet de nouer avec nos patients des rapports qui se révèlent salutaires. Êtes-vous Dana Scully ? Que cherchez-vous ? Qui êtes-vous ? On est là pour vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide, je vais très bien. Qui êtes-vous ? Nous sommes à votre recherche sur ordre de Monsieur Skinner. J'ignorais que j'étais perdue. Qui êtes-vous ? Je suis du FBI, agent Wilmore. Pardonnez-moi, mais je dois être vigilante. Vous vous méfiez ? Puis-je voir votre carte ? Je ne sais pas si je dois me fier à vous. Qui vous a dit où j'étais ? C'est un anonyme.
Cet homme est un noir. Soyez plus précis. Nous ignorons son nom. Vous êtes ridicule. Si vous ne vous expliquez pas tout de suite, j'appelle au secours. Qui vous envoie ? Cet homme m'a donné ça. D'accord. Il m'a dit de ne parler de ça à personne. Je vous écoute. C'est lui qui vous a tiré dessus ? Non. Jamais je n'ai vu ce visage. Que s'est-il passé dans l'entrepôt ? Nous avons remarqué des mouvements d'entrée et de sortie suspects dans cet entrepôt. Nous sommes allés voir ce que c'était. On s'est fait attaquer par un grand nombre d'hommes armés. J'ai reçu une balle. J'ai vu une lueur étrange. Mulder m'a emmené à l'extérieur et j'ai perdu connaissance et me suis réveillé ici. À quoi sert cet objet ? Vous devriez éviter de trop le montrer. Je ne sais pas à quoi il sert, mais peut-être que Mulder vous le dirait. Que vous a appris l'autopsie des hommes du Tarakan ? Ils ont tous subi une exposition à un niveau de radiation équivalent à celui d'Hiroshima. Il est sûr qu'il n'y a eu aucune bombe, mais Mulder y a vu la preuve qu'un ovni aurait atterri dans les environs et que des extraterrestres à bord de cet appareil avaient irradié le Tarakan et son équipage. On dirait que cette idée vous laisse sceptique. Il y a toujours une autre explication. Quelle fonction le Tarakan tenait-il là-dedans ? En premier lieu, ce navire a servi à de la contrebande, ça à coup sûr, c'est un fait. Je crois qu'il a subi un accident alors qu'il transportait du plutonium. Et Mulder dit que les gens se sont fait tuer par une EBE. Une EBE ? Ça veut dire entité biologique extraterrestre. Vous vous sentez comment ? Ça va pas très fort, mais à vrai dire, ça va déjà bien mieux que quand je me suis réveillée. Vous pensez avoir été explosé ? Mon Dieu, j'espère que non. Mais je suppose que les symptômes sont longs à venir. Vous ne sauriez pas où Mulder se trouve ? Je n'en ai aucune idée, mais il faut le trouver très vite. Navré, mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Eh bien, d'autres personnes ont subi les mêmes brûlures. Cela veut-il dire que ce plutonium a été transporté ? L'une de ces victimes n'est pas identifiée, mais on l'a vu là où il y avait les traces de feu, et ensuite sur le chantier naval. Nous savons qu'entre l'entrepôt et le chantier naval, il y a un lien. C'est une entreprise de camionnage de Charno, Gordon's Hauling. De nombreux va-et-vient ont été effectués entre le hangar des docks et une route secondaire que nous ne sommes pas encore allés inspecter. Nous avons besoin de trouver l'identité de l'homme qui travaille au chantier naval, et il serait bien que vous retourniez vers la route 1121. Que comptez-vous faire ? Je vais tout d'abord me mettre en contact avec le directeur adjoint Skinner. Ensuite, je vais quitter cet hôpital. Et après, je vous rejoindrai tous les deux dans nos bureaux. Mais je crois qu'il va falloir faire vite. L'agent Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps devant lui. Si jamais les trafiquants l'ont pris en otage, ça m'étonnerait qu'il s'encombre indéfiniment. J'avoue que ta méthode a été efficace. Je suis impressionnée. La technologie ne me fait pas peur. Au fait, qu'est-ce qu'on est venu chercher ? Un morceau de tôle d'une Dodge de 1964. Comportant les chiffres 82434, c'est ça ? Oui, c'est ça. On dirait qu'on nous a ouvert la voie. J'ai peur qu'on ne soit pas au bon endroit. J'en sais rien. Nous avons déjà la route, c'est au moins ça. Peut-être que 8243, ça ne veut rien dire. Tu choisis l'hypothèse de Mulder et Scully ? Tu crois que c'est sérieux ? Bien sûr. Il est impensable que le gouvernement paye l'agent Mulder pour courir après un tel genre d'insanité. D-E-B-E. C'est fou de croire ça. L'agent Scully est une femme extrêmement rationnelle. Je serais toutefois ravie d'entendre un collègue aux idées un peu plus audacieuses. J'aimerais beaucoup parler avec l'agent Mulder. À quoi cet endroit peut-il servir ? Tu veux rire ? J'en reviens pas de l'ampleur de cette affaire. Penser que du plutonium traverse notre pays sur des voies ferrées est totalement terrifiant. Et sans mesure de sécurité particulière ? Ouais. C'est abandonné tout ça. Ces wagons ne roulent plus depuis des années. Il faudrait trouver un endroit qui donne une vue d'ensemble des lieux. On doit avoir une bonne vue de là-haut.
Je crains qu'on n'ait pas beaucoup progressé. J'ai voulu entrer dans plusieurs wagons, mais la plupart sont verrouillés. Ça a brûlé ici. Hey! Hey! Hey, j'ai rien fait! On n'a pas dit le contraire, on veut juste parler avec vous. C'est chez vous? Je suis partout chez moi sur Terre. Où va mon cœur, je vais? C'était une information. Avez-vous remarqué des gens en uniforme dans le coin? Si, vous deux. Et bien sûr, les oiseaux. Il est cinglé. Oiseau. Il est cinglé. Ah ouais, j'ai vu ces types à la roue de la fortune. Vanna est chouette avec ses cheveux roux. Je sais que j'ai vu les scouts y organiser des opérations secrètes. Le feu a pris dans un wagon, vous savez comment c'est arrivé? Bien sûr, j'ai vu les incendiaires. De quoi avait-il l'air? Deux mecs insipides en costume miteux. Deux types, ils sont venus voir le wagon hier et ils ont fichu le feu. Dans mon propre jardin, vous pouvez le croire. J'ai trouvé une bricole. Elle était dans le wagon, ça vous intéresse? À quoi ça ressemble? Quoi? Ma bricole? Oui, votre bricole. À vous de me le dire, à quoi cette bricole ressemble? Un appareil? Vous chauffez, on s'en sert des fois avec un appareil. Des papiers. Ça vous plairait que ça soit ça, hein? Des feuilles d'impôt. Mes feuilles d'impôt, tant qu'à faire. Vous bossez pour le fisc? Non, en réalité, nous sommes... Non, ça va, peu importe, Jane. Je veux pas savoir. Des photographies. Des photos? Peut-être ben que oui. Peut-être ben que non. Vous approchez. Un disque numérique. Ah, vous êtes doué. On peut pas y échapper, c'est sûr. Le magnétisme, le cœur de l'homme moderne. Persévérez. Donnez-moi un indice. Souvenir dans un coin de mon esprit. Oh, yeah. Couleur à l'eau de mes souvenirs sur la toile de mon cœur. Des diapositives. Non, non, c'est pas ça, vous refroidissez, bon sang, réfléchissez. Vous avez pris votre petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Un ordinateur? Un jour, sauf si les Japonais décident de se mêler de ça. Mais pour l'heure, la réponse est non. Un magnéto? C'est bien joué, vous êtes sur la voie, quelle sorte? Des images animées? Oui, et non. Un lecteur de CD? Pas de gros mots, fiston. Alors, un magnéto? Quelle déception, quel désappointement. Je croyais que vous étiez plus fort que ça. Vous avez pas honte d'être avec ce gars? Un projecteur de 35 mm. J'ai rien contre les affaires, mais je vais pas au ciné en matinée. Et y a pas d'avant-première pour les attractions. Persévérez. Une vidéo numérique? Quoi? Jamais entendu parler. Mais c'est vrai que je suis largué, je suis plus dans le coup. La balle est dans votre camp. Une cassette vidéo? C'est exact. Nous avons un gagnant pour la cassette vidéo. Félicitations. Encore bravo, je me suis très bien amusé. Merci. $10. Vous faites une bonne affaire. Merci. Mais là. Qu'est-ce qui se passe? Marc Cook, Maria Stadorian, Maria Stadorian, Marc Cook. Enchanté. Quelqu'un nous cache quelque chose, c'est évident. Qu'est-ce que ces expériences médicales clandestines ont à voir avec des contrebandiers russes? Et qu'est-ce que ce chirurgien pouvait chercher à Gordon Sowling? Enfin, à quoi pouvaient bien servir ces expériences? J'en sais rien. En tout cas, le patient n'avait pas l'air humain. Est-ce qu'il y a un moyen d'identifier le docteur? Oui, en fait, il suffirait de prendre une image vidéo et de la confronter à la base de données. C'est sûrement faisable. Alors dans ce cas, faisons-le. Bingo. Alors, voyons ce que ça donne. Jonathan Roche. C'est bien lui. Ah, un militaire, hein? Ouais, il y a des chances. Mais qu'est-ce que c'est? Quelqu'un essaie d'établir une liaison de vidéoconférence. Ah, quel idiot. J'aurais dû apprendre à me servir de ça plus tôt. Agent Wilmore? Oui.
Ah, on est sur le bon site. Qui êtes-vous? Des amis de l'agence Scully. Certains parmi nous sont plus que des amis. Elle nous a demandé de vous contacter. D'où vous tenez cette adresse? On a supposé que votre disque dur cachait le mot de passe qui donne accès au système. Tous les ordinateurs de ce type permettent la vidéoconférence même si presque personne ne s'en sert. Ensuite, on a cherché l'adresse de votre opérateur qui affiche une liste exhaustive de ses abonnés avec leur numéro d'abonnement et le protocole du serveur. Pas plus difficile que ça. Vous voulez le numéro de Madonna? Non, je m'en passerai, merci. Vous êtes sûr? Son ordinateur est pas loin de son lit. Qu'est-ce que vous voulez? L'agent Scully nous a transmis des informations au sujet de l'enquête que vous menez. D'après ce que nous a dit cette chère Dana, nous pensons qu'il y a une installation ultra-secrète en Alaska qui est impliquée. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Alaska? Cette installation semble être la véritable plaque tournante de cette affaire. C'est une sorte de dépôt de wagon. Si nous voyons juste, Mulder court un très grand danger. Cette installation date du début des années 60. Nous pensons qu'ils ont choisi l'Alaska pour profiter des aurores boréales pour cacher le trafic d'OVNI qui a lieu dans la base. Nous croyons aussi qu'un vaisseau extraterrestre retrouvé dans le Pacifique est caché là. Quel dépôt de wagon? Ah, voilà une question dont la réponse vaut son pesant d'or. Le gouvernement dispose d'un vaste réseau d'autorails qui peuvent servir soit d'unités mobiles chirurgicales, soit de chambres d'autopsie, soit de lieux de quarantaine. Et ces wagons ont en fait une double utilité. D'une part, ils permettent au gouvernement de transporter rapidement des entités biologiques, et ils peuvent servir de base mobile d'opération pour une série d'expériences génétiques. Il s'agit de quelle sorte d'expérience? De la pollinisation croisée de l'espèce humaine, c'est-à-dire du croisement de l'ADN humain avec un matériel génétique extraterrestre. J'en crois pas mes oreilles. J'ai l'impression de me retrouver dans l'île du docteur Moreau. Où est Mulder? On est sûr de rien, mais connaissant Mulder, il a sûrement suivi la piste qui conduit à cette installation. Scully a mentionné un certain individu qui serait impliqué là-dedans. Vous avez pu déterminer son identité? C'est un chirurgien de la marine, Jonathan Rauch. Et où est-il en poste? Eisenhower Field, Alaska. Ah oui, c'est bien lui. Il a servi 2 ans à Perky en Virginie, c'est ça? Oui. Ah, il n'y a aucun doute. Écoutez, vous devriez aller là-bas. Mulder n'a peut-être plus beaucoup de temps. Allez d'abord chez Sir Rauch, ensuite à la base secrète. D'accord, comment va-t-on à la base? Est-ce que vous avez un laissez-passer? Ouais. Bien, je vous envoie par email les coordonnées de la base. Il y a un fax. Un garde frontière canadien a été trouvé mort ce matin par suite de brûlures inexplicables et profondes. Et la voiture de location de Mulder a été vue traversant la frontière canadienne vers l'Alaska. Oh non, c'est pas vrai. Le sort en est jeté. Oui, j'en ai bien peur. Il faut que vous alliez là-bas dès que possible. Je viens de télécharger le programme. Bon, si on veut sauver Mulder, on a intérêt à faire vite. Pour aller voir ce Rauch, je vous conseille de prendre un charter plutôt qu'un vol régulier. Je vais rester ici pour veiller au grain. Contactez le bureau de Juno et demandez des renforts. Vous pouvez vous occuper de son billet d'avion? Bien sûr, pas de problème. Ok, allons-y. Tu veux côté fenêtre ou côté couloir? Tu devrais peut-être venir avec moi. Non, je crois pas. Pourquoi? Ça te concerne aussi? Oui, mais l'Alaska est en dehors de ma juridiction. Et puis, je dois faire un sérieux travail d'enquête. Sois prudent. C'est promis. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Où est Mulder? Qui êtes-vous? Je vous connais. Je suis le câbleur. Vous allez bien? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Les pieds tout engourdis. Agent Wilmore, FBI. Je vous prenais pour un fantôme. Il y a un bout de temps que je vous cherche.
Eh bien, vous m'avez trouvé. J'ai parlé avec Scully. Comment va-t-elle ? Elle se remet. Elle est sortie de l'hôpital. C'est un sana. Je l'ai déposée après le coup de feu qu'elle a reçu dans l'entrepôt. Avant, j'ai téléphoné à Seattle pour qu'on m'envoie du renfort et tout ce que j'ai vu venir, c'est des nettoyeurs de la NSA. Vous aviez eu qui ? J'étais trop pressé pour demander où on allait partir. Je n'ai dit à personne où j'avais emmené Scully. Visiblement, j'avais intérêt à rester méfiant. Comment êtes-vous venu ici ? Ah, oh, je m'a kidnappé quand j'allais voir une gare de triage et il m'a volé ma voiture. J'ai toujours eu envie de visiter le nord de la côte pacifique, mais hélas, on ne voit pas grand-chose du fond d'un coffre. Est-ce que par hasard, votre gare de triage n'est pas près de la route 1121 ? Gagné. L'armée y fait certains exercices. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Rausch est au rez-de-chaussée. Vous êtes sérieux ? Il n'a pas mis le feu ? Je vous demande pardon. De rien, mais dans quel état est-il ? Inconscient, il était recouvert d'une couche d'huile. Ah, Rausch, ce type a toujours une chance insolente. Pourquoi Rausch vous a enlevé ? C'est un médecin de la Navy que les extraterrestres tiennent en leur pouvoir. L'extraterrestre qui le contrôle, ou du moins qui le contrôlait, s'est crashé dans l'océan il y a près de 2 mois. Je vous demande pardon, mais en quoi était-il en son pouvoir ? Vous disiez qu'un extraterrestre contrôlait cet homme ? Un extraterrestre contrôlait cet homme ? Il y a des espèces d'extraterrestres qui peuvent habiter notre corps. En le parasitant, ils parviennent à s'emparer d'un être humain et même à acquérir les connaissances qu'il avait accumulées. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est la présence d'une pellicule d'huile noire qui voile les yeux de cette personne. L'équipage du Tarakan a rencontré une de ces créatures, sans doute du type Valdez, qui les a bousillées instantanément. Le gouvernement a pu s'en emparer et la mettre dans un fourgon, mais une négligence lui a permis de s'échapper. En effet, Rausch a un étrange voile noir devant les yeux. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas tenté de vous tuer. Je suis presque sûr que la créature veut revenir sur le bateau. C'est pour ça qu'elle s'est servie de Rausch, mais je ne sais pas du tout où le bateau a pu partir. Vous êtes un excellent petit télégraphiste. Frike, Rausch, Scully, vous connaissez Skinner ? C'est lui qui m'a envoyé. Ouais, c'est logique. J'ai vu des hommes en noir devant la maison, ils venaient d'en sortir. Il faut que nous les rattrapions en vitesse, il est en lui. Essayons de deviner l'endroit où ils se sont rendus. Je le sais. Je connais un lieu secret qu'a équipé le gouvernement, j'ai pu me procurer une vidéoconférence. Ah, c'est une source qui est fiable en tout cas. Oui ? Agent Wilmore, c'est Dana Scully. Où êtes-vous ? À Juno, en Alaska. Vous avez trouvé Mulder ? Oui, il est là. Dieu soit loué, passez-le-moi. C'est Scully. Scully, où es-tu ? Je viens de partir pour Juno. Quel est ton agent de voyage ? Byers, Froick et Langley. Excellente compagnie. Tu as pris ton téléphone ? Oui. Parfait, je te rappelle. Bon, alors allons-y. Bien, il y a des gens qui se sont invités. La NSA ? Ou les témoins de Jéhovah. Soyez gentils de leur faire les politesses à ma place. Je vais rejoindre Scully pour aller voir les installations. Vous nous y retrouverez ensuite. Et une seconde. On m'a chargé de vous retrouver, vous et Scully. C'est fait. Je dois m'en aller. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout n'est pas encore fini. Ne partez pas sans vos émoluments. D'accord. Agent Wilmore, nous sommes de l'Agence de Sécurité Nationale. Nous filons des contrebandiers qui importent du plutonium en provenance de l'ex-URSS et de Yougoslavie via Hong Kong avant d'atteindre Seattle. Il a été démontré que le Tarakan servait souvent de navette pour faire entrer des marchandises dans la zone des 7000. Le plutonium a tué l'équipage, comme il a tué les gens de Tcharno. Votre enquête est donc achevée, agent Wilmore. Vous allez embarquer immédiatement pour Seattle. Nous reprenons votre mission ici. Nous vous conduisons à l'aéroport tout de suite.
Les mêmes brûlures que les autres. Mulder, allez, on continue. Je crois qu'il reste vraiment peu de temps. Scully, j'aurais besoin de ton aide. Il me faut les deux clés de la porte blindée qui donne accès à l'entrepôt. C'est important, aide-moi. Courez. Wilmore, des nouvelles de Mulder? Non. Je ne l'ai pas vu non plus. De quoi est-ce qu'il parlait? Pourquoi cherche-t-il une clé? Quel genre de clé? Il a prononcé les mots de stockage et de dépôt. Je dois comprendre pourquoi il agit comme ça et le tirer de là d'une façon ou d'une autre. Je crois qu'il cherche ce qui est entreposé dans cette installation. Oh, vraiment? Ah ah. C'est quoi, votre avis? Un vaisseau extraterrestre qui est tombé dans l'océan Pacifique. Ah ah. Je savais que ça devait arriver. Écoutez, vous ne connaissez pas bien l'agent Mulder, je vais vous expliquer certaines choses. Quelquefois, il peut se laisser aller à... Il disait qu'il cherchait une clé afin de passer une espèce de porte blindée. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette porte blindée? Quoi que ce soit, quelqu'un est prêt à tout pour le protéger. J'ai bien examiné certaines choses ici. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont étudié les effets de différents gènes mutants sur divers matériaux génétiques. J'ai découvert également plusieurs références à des hypnotiques extrêmement puissants. J'ai peur maintenant que l'agent Mulder ait pu être exposé d'une façon ou d'une autre à ses composés. Vous n'êtes pas sérieuse? Bien sûr que je le suis, pourquoi? Je connais son problème. C'est quoi? Il est l'hôte d'une sorte de créature extraterrestre qui a pris son contrôle. Oui, c'est ça. C'est lui qui vous a dit ça? Très drôle. Écoutez, arrêtez de tourner autour du pot et dites-moi où en est Mulder, plutôt. Que faites-vous du fait que les gardes ont subi des brûlures similaires à celles de l'équipage du Tarakan? Il est tout à fait évident qu'ils ont été exposés à la même forme de radiation, quoique je n'ai aucune idée sur la source qui les a émises. Je crois que j'en ai une. Ça explique les mutilations du bétail? Agent Wilmore, ravi de vous voir ici. C'est vous? Oui, c'est moi. Ah, je suis sûr que vous aimeriez y voir enfin clair. Il y a quelque temps que ça me fait envie. Très bien. Mon travail était de dévier votre attention de ce qui se passait réellement. Le plutonium en fraude, le gang des Russes, Wong, de la pure invention. C'est moi qui ai mis toute l'affaire sur pied. Pourquoi? Pour l'argent. Une fortune. Je n'allégrerai pas que j'ai été poussé par mes convictions. Je suis bien content qu'on se soit retrouvés, mais à mon grand regret, il va falloir que je vous tue. C'est vous. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez Mulder. Il doit être en pleine crise narco-somnambulique, c'est sûr. Je pense que le mieux, ce serait d'arriver à l'entraîner dans la chambre d'isolation. Quand il sera là-bas, je verrai comment déclencher son réveil. Ok. Mais comment faire? Il faut d'abord savoir où est l'autre clé que Mulder voulait trouver. Quel que soit son contenu, cette pièce est protégée par une espèce de porte blindée. Je suis convaincue que... la serrure est actionnée par une commande à double clé. Il faut absolument tourner les deux clés simultanément, comme pour le lancement d'un missile. Le gardien de l'une des clés est dans le coin de cette pièce. Si je parviens à capter son attention, vous venez sans vous faire voir, vous l'assommez et ensuite on entraîne Mulder dans cette chambre. Mais avant tout, il faut désactiver les circuits de la chambre. Attention, la porte de la zone de sécurité s'est verrouillée une fois que je suis passée. Nous devons d'abord la réouvrir. Espérons que ça va marcher.
Dites-moi s'il y a une direction que vous souhaitez que je prenne. Arrêtez! Monsieur, je suis l'agent Scully du FBI. Ne faites plus un seul pas! Des terroristes ont pénétré dans votre bâtiment. Il faut que vous nous aidiez. Je ne peux pas quitter mon poste! Monsieur, je suis du FBI et je vous prie de m'accorder votre assistance. Vous avez trois secondes avant que je tire! C'est une chose très importante. Vous avez... Tournez la clé. Tournez la clé. Agent Wilmore, je sais que vous êtes bouleversé par ce qui s'est passé. Nous sommes tous affectés par le malheur d'un de nos proches. Je ne m'en doutais pas. Mark était mon ami. J'aurais dû être plus attentif, c'est possible. Mais aucun de nous n'est fautif. Excepté l'agent Cook lui-même. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Je suis juste venu vous dire au revoir. J'ai parlé au lieutenant Astadourian et apparemment, en fouillant l'appartement de Cook, ils ont retrouvé heureusement mon portable, mais il semble bien que Cook ait fait une sorte de mise en scène dans le but de faire croire qu'il avait été agressé. Oui. Il semble que les agents Mulder et Scully aient parlé au directeur adjoint Skinner. Oui, apparemment votre travail a été examiné avec beaucoup d'intérêt par le bureau. Vous avez un fan en la personne du directeur adjoint Skinner. Et pourtant, j'avoue que certains rapports m'ont semblé un peu fantastiques, pour ne pas dire autre chose. C'est vrai, monsieur, je le reconnais. J'ai l'habitude d'entendre ça. J'ai un avion à prendre d'urgence, mais l'agent Mulder m'a demandé de vous dire qu'il avait retrouvé l'usage de son pied. Ah, ça me rassure. Je voulais vous dire merci, en tout cas. Je n'aurais pas voulu rater ça. Merci. Vous avez l'air complètement vidé, mon vieux. Rentrez chez vous et reposez-vous. On se verra demain, demain à la première heure. Et j'attends impatiemment votre rapport sur cette affaire. Je compte sur vous, compris ? Oui, monsieur. Au fait, l'inspecteur Astadourian m'a dit qu'elle avait quelques papiers à vous faire signer. Elle compte vous les apporter à domicile. Je lui ai conseillé de les envoyer ici. Elle semblait tenir absolument à vous les remettre en main propre. Oui, monsieur. Agent Wilmore. Je crois savoir ce que vous voulez. Attendez une seconde, je vais le chercher. Non, inutile. Ne me le donnez pas. Il vous sera encore utile. Bientôt. Sound design, everything is extremely faithful.
to the show. I also think it's going to be interesting for the fans of the show because we really are existing fully inside the universe of the X-Files. So, you know, you walk into an FBI office and there on the desk is a coffee mug that says, you know, I saw Big Blue. There are a lot of locations. You know, we just move all over the place, interior, exterior, offices, creepy old warehouses, super secret, you know, NSA facilities, all of those kinds of things. Unlike the show, you're experiencing the world of the X-Files from the inside out. You are an active participant. You know, you are making choices and decisions that shape how the story unfolds, how the game plays, and what the final outcome is.